On va se remettre en jambes. Bah, quand même, qui gâche un peu la course de Grosjean, on peut dire ça. C'est vrai que. Bah, il a complètement coincé Grosjean contre le rail. Le pauvre Grosjean, bah. Obligé de faire une manœuvre. Sur un circuit comme Monaco, c'est quand même loin d'être évident. Verstappen, il fait une magnifique remontée, mais ça c'est comment en fait l'année dernière hein, quand il était chez Toro Rosso. Trop orgueilleux, trop sûr de lui. Et Monaco, ben ça pardonne pas. Hein. Tu fais le bisou au rail, c'est terminé. Donc il est monté un petit peu trop sur un vibreur. Et du coup il est allé faire un câlin au rail. Et voiture éclatée. J'ai les pneus qui commencent à être en température et apparemment il commence à tomber des gouttes de pluie, c'est vachement bien, non ? À moins que ce soit le pilote de devant qui transpire. Allez, c'est le départ de la course. On est parti pour une petite trentaine de tours. Ça joue des coups là dans les premiers virages. Pilote là qui s'est mangé la barrière de sécurité. Hein. Commence à glisser.
c'est bien, c'est que je suis pas le seul à laisser des bruits dans l'histoire. Putain, ce que ça glisse. Les pneus de pluie. Le pilote, c'est hier qui passe à travers, ça c'est rigolo ça. That was a sweet move, great stuff. Think about where he's slower than you. Keep pushing and see if you can take him under braking into the slow corners. J'ai fait une verse à peine. Overtake. Et non. Yellow flag, the car stuck in the track, try not to hit it. C'est con de monter sur un libraire.
big push now. Let's fight our way past. You can do it. Ceux qui poseront les questions, j'ai pas bien la trajectoire idéale. Parce que j'ai oublié. Ça, je sais pas ce qu'ils ont tous là ici à y laisser des plumes. Mais ils ont du mal à la sortie du tunnel. You're getting really close. He definitely knows you're there. Try and force him into a mistake and you'll get past him. Nice one, that was the fastest lap of the race. Nice overtake there, very smooth. That's the fastest lap of the race. Great lap. We've got some pressure from the guy behind. You'll need to brake as late as you can. You may need to cover the inside line. C'est Hugo. Il est sur le live.
Dark Spinning TV, en fait, le truc noir au milieu de l'écran, c'est le follower alert. J'ai oublié de fermer la fenêtre de l'endroit où il y a la zone de capture de ce machin-là, et du coup, tu vois un carré. Ah, normalement, ça fait pas un carré noir au milieu de votre écran. Vous voyez la piste, vous voyez juste la bordure du cadre. Sous la nuit, ça joue ça. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril, au niveau des pneus? Est-ce que tu penses qu'il faut que je rentre? Good job, that's P4, we're in sight of the podium. Tu vois pas la dégradation, Cyril? Alors, dans le coin inférieur droit de l'écran. Ah oui, il y a la webcam, merde. Bah, en fait, les pneus avant sont tous les deux à moitié quasiment. Et les pneus arrière, ils sont quasiment comme neuf. Je peux difficilement te lire là, c'est Cyril, avec les enchaînements de virages là. Faut qu'on arrive à trouver un système où tu mets que des petites indications rapides, un peu comme un bon auteur. Parce que là, les grandes phrases, j'ai pas le temps de les lire. Et comme j'ai mon interprète qui n'est pas présent sur le TS,
Je suis un peu dans la merde. You're in a good position. Don't take too many risks, but try squeezing past him under braking for a slow corner. Ils ont l'éclairage nécessaire à Monaco pour rouler de nuit. Okay, mate, be patient now. You will force an error, so let's just wait for him to make a mistake. Bah tiens, tour pour changer les gommes, ok. On va y arriver, on est en 19e tour. Je suis plus aussi à l'aise que tout à l'heure avec les cartes. J'ai le train avant qui se balade un peu. You're up to first place. Great job. Keep pushing. Ça c'était long. We're expecting some rain in the next 30 minutes, so try and push as hard as you can now and get ready to make a call on the tyres. Mais ils m'ont pas changé les pneus en fait. The gap to P3 is 7 seconds. Come on, you can do it. Keep pushing, keep pushing.
Il y a un truc que je maîtrise pas là, avec les arrêts au stand, parce que c'est bizarre, ils m'ont pas rentré, ils m'ont pas changé les pneus. J'avais plus la voiture en main. Voilà, ça s'est terminé 8 tours avant la fin, hein, ma foi. Tant pis. Hein. Mais en tout cas, c'était bien fun, ce petit kart de 150. Tant pis, on aura essayé. On aura quand même fait une belle partie de course. Mais bon, voilà. J'ai loupé mon freinage et puis... force de couper, mais bon.